Un soir, j'ai eu une grosse dispute avec ma femme. J'étais tellement énervée que j'ai laissé tomber la dispute et je me suis endormie. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée et j'ai vu un visage qui ressemblait à celui du chat de Cheshire, avec seulement les yeux et la bouche. Il était devant ma porte et regardait au loin jusqu'à ce qu'il remarque que je le regardais. Lorsqu'il a posé les yeux sur moi, mon esprit s'est mis en mode protection. Je me suis dit que cela ne pouvait pas être réel et je me suis rendormie. Le lendemain, j'ai essayé de me convaincre que c'était un rêve, mais au fond de moi, je savais que c'était réel. Depuis cette expérience, ma vie est loin d'être normale. J'ai vu des photos de ce que j'ai vu sur des livres spirituels, mais quelque chose au fond de moi me dit de ne les montrer à personne. Je cherche juste quelqu'un pour m'aider à faire la lumière sur ma situation. Je fais de mon mieux pour vivre une vie normale et ne pas devenir paranoïaque pour le bien de ma famille. Je marchais le long d'une route rurale tard dans la nuit, essayant de rentrer chez moi. Je ne voulais pas avoir l'air bizarre, alors je n'ai pas trop regardé derrière moi, mais j'ai bien vu cette personne. Il s'agissait d'un homme assez grand, mais pas très bien bâti. En continuant à marcher, j'ai fini par me rendre compte que l'homme était parti. Seulement pas moins de 5 minutes plus tard, j'ai vu un homme se tenir à nouveau sur le bord de la route, devant moi. Je savais que c'était la même personne. La forme et la façon dont il se tenait, c'était lui. C'était assez étrange qu'il soit là, car il n'y avait aucune raison pour que quelqu'un se trouve sur cette route et encore moins la nuit. Je n'ai jamais eu peur de croiser des gens la nuit. Et sans vouloir me vanter, je suis un homme latino d'1m80, ayant un excellent cardio, pouvant soulever 110 kilos et qui joue au rugby tous les 2 jours. Pour référence, je ne suis pas un trouillard. Mais à ce moment-là, je voulais juste foutre le camp. Donc j'ai décidé de courir devant lui aussi vite que possible. Et alors que je commençais à accélérer, à environ 15 mètres de moi, il a couru dans le feuillage, sur le côté de la route, à une vitesse fulgurante. Ça m'a terrifié. C'était très étrange, car un humain ne pouvait pas se déplacer à une telle vitesse. Depuis ce que j'ai vu, j'y suis retourné avec une arme, mais j'ai fini par partir au crépuscule. J'étais chez ma grand-mère. J'avais environ 4 ans à l'époque. Je passais quelques jours de vacances avec elle. Quoi qu'il en soit, j'étais assis sur ses genoux, mangeant des bonbons et regardant la télévision avec elle, lorsque j'ai tourné la tête vers l'arrière et vu quelqu'un se déplacer d'une des chambres à la salle de bain, de l'autre côté du couloir. Cela s'est passé rapidement et la personne était entièrement noire, mais pas comme une ombre. C'était une personne solide et masquée. Au début, je ne savais pas quoi penser. Je continuais à regarder. J'ai pensé que c'était peut-être mon cousin qui me faisait une farce, parce qu'il aimait bien me faire peur à l'époque, mais il n'était pas là ce week-end-là. Il n'y avait que moi et grand-mère, jusqu'à ce que mon grand-père sorte du travail plus tard. Je me suis donc assis là, à regarder. Au bout d'un certain temps, je me souviens avoir vu la silhouette sortir la tête de la salle de bain et me faire signe. Le plus étrange, c'est qu'il n'y avait pas de visage. C'est comme si elle portait un voile noir et une capuche sur la tête. Quoi qu'il en soit, elle a disparu dans la salle de bain avant de recommencer à sortir et à me faire signe. Cette fois, j'ai alerté ma grand-mère et je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un dans la salle de bain. J'étais effrayée parce que je ne savais pas ou ne comprenais pas qui cela pouvait être, mais je sais ce que j'ai vu. Ma grand-mère s'est levée et a traversé le couloir jusqu'à la salle de bain. Attention, personne n'est jamais sorti de la salle de bain. Bien sûr, après avoir regardé, il n'y avait personne. Je l'ai même suivi et j'ai regardé. Nous avons ensuite vérifié les 3 autres chambres et il n'y avait personne d'autre que nous dans la maison. Je ne sais pas ce que c'était, je ne sais pas d'où ça venait, mais c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Des années plus tard, à l'âge adulte, j'ai fait 2 rêves au sujet de la silhouette.
mais c'est tout. Je ne sais toujours pas ce qui se passe, mais c'est la chose la plus folle que j'ai vécue. Ce matin, je me suis réveillée comme d'habitude, vers 6 heures. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à envoyer des messages à mes amis et à regarder des vidéos comme je le fais d'habitude. Au bout d'une dizaine de minutes, dans ma vision périphérique, j'ai vu une femme passer le seuil de ma porte. Au début, je n'ai pas sourcillé. Je me suis dit que c'était juste mon cerveau qui me jouait des tours. J'ai donc regardé dans sa direction et mon cœur a chuté jusqu'à mon estomac. Elle n'a pas disparu. C'était une femme, pas une ombre, mais une femme que je n'ai pas reconnue, qui était très grande, âgée d'environ 50 ans, qui avait de longs cheveux roux et bouclés, dont la tête était légèrement inclinée et qui me regardait sans émotion. Je l'ai regardée avec une peur paralysante pendant environ 3 secondes, avant de cligner des yeux et qu'elle ne soit plus là. À ce moment-là, je suis restée figée dans mon lit, mon téléphone étant tombé par terre pendant une bonne minute. Puis, brusquement, j'ai jeté ma couette et sprinté dans les escaliers pour réveiller mes parents comme une gamine de 8 ans. J'étais presque sur le point de fondre en larmes. Mes parents m'ont dit que j'étais juste fatiguée. Ce n'est que plus tard dans la matinée qu'ils m'ont prise au sérieux. Il est également important de mentionner qu'à ce moment-là, je n'étais pas fatiguée et que je ne rêvais certainement pas. Après quelques recherches, j'ai découvert que l'ancienne propriétaire de cette maison était décédée à l'âge de 67 ans. Il s'avère que cette femme est restée dans cette maison pendant 24 ans. Apparemment, elle était assez grande et avait de longs cheveux roux et bouclés, ce qui correspond parfaitement à ce que je me souvenais avoir vu. Ça me donne encore la chair de poule et je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé. Récemment, j'étais dans le ranch de ma mère qui est vraiment au milieu de nulle part. Notre maison a toujours eu une sorte de présence. C'est une ferme vieille de 100 ans en Californie. J'ai dit au revoir à ma famille et je suis montée dans ma voiture qui est assez récente et n'a jamais eu de problème. Et tous les feux de détresse clignotaient et elle ne démarrait pas. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Et mon beau-père est venu m'aider, mais en vain. Il est rentré à l'intérieur, et j'ai continué à essayer de résoudre le problème. Finalement, j'ai pu partir, et je n'ai pas pris la peine de lui dire au revoir. 30 minutes plus tard, ma mère m'appelle pour me dire « Hé, tu vas bien? Pourquoi es-tu dehors ?» Apparemment, pendant que j'étais partie, toute ma famille a entendu ma voix qui criait fort dehors. « Maman, maman, laisse-moi entrer, je suis coincée dehors. » Et ils ont dit que j'avais l'air très effrayée. Ma mère, son mari et ma petite sœur ont tous entendu une voix crier cela. Et mon chien devenait fou à la porte en aboyant et en sautant. Quand ils ont ouvert la porte, il n'y avait personne. Et mes chiens se sont précipités à l'extérieur en aboyant encore et encore. Pendant ce temps, j'étais seule sur un chemin de ferme sombre à 30 minutes de là. J'étais partie avant que tout cela ne se produise, étant donné le temps écoulé. Et cela me fait peur qu'ils soient tous sûrs d'avoir entendu ma voix. Je trouve ça tellement étrange. Mon ami et moi, nous nous interrogeons encore sur notre santé mentale après avoir vécu cette expérience. Nous étions en train de nous promener lorsque nous sommes passés devant la grande école primaire et avons entendu le bruit des enfants qui pleuraient, riaient et criaient comme d'habitude. Nous discutions jusqu'à ce que j'entende, moi la première, l'un des enfants me dire quelque chose en m'appelant par mon nom.
Je me suis retournée et j'ai vu les enfants qui continuaient à jouer avec désinvolture. Aucun enfant ne me regardait. Mon ami a remarqué que j'avais arrêté de marcher parce que j'étais troublée par ce que j'avais entendu. Ensuite, quelques enfants ont commencé à parler en même temps, disant quelque chose que seul un ancien ami pourrait dire. Une vingtaine d'enfants parlaient en même temps, sur le même rythme, et ils me traitaient de méchantes personnes qui les avaient trahis, quelque chose que mon ex-ami aurait dit. J'avais l'impression que quelque chose utilisait leur bouche pour parler. J'ai cru que j'hallucinais, mais mon amie qui se tenait juste à côté de moi l'entendait aussi. Elle était aussi stupéfaite que moi. Cela a duré quelques minutes. Quelque chose nous réprimandait par la bouche. L'enseignante en service dans la cour a semblé ne pas prêter attention à cet événement, bien qu'elle soit passée à côté d'eux. Je suppose qu'elle pensait que les enfants faisaient une farce, mais je ne pense pas que c'était le cas. J'ai eu beaucoup d'événements paranormaux dans ma vie. Je me sens également très triste, car l'un de mes amis est actuellement porté disparu, et on s'inquiète de son bien-être. La police se charge de l'affaire. Ma maison actuelle n'est pas hantée. Quoi qu'il en soit, hier, alors que je faisais un peu de rangement, j'ai vu un petit orbe de lumière extrêmement brillant, qui a scintillé pendant un bref instant. C'était une lumière extrêmement blanche et froide, presque bleutée et très pure. Son extrême luminosité était vraiment étonnante. Cela a été très bref et a disparu dès que je m'en suis rendu compte. Malheureusement, et j'espère que mon ami va bien, elle flottait juste à côté de mes aquariums, et mon ami aimait élever des poissons et avait un jour possédé un aquarium. Hier soir, mon chien s'est mis à grogner, comme je ne l'ai jamais entendu le faire, et il a poursuivi ce que je ne peux que décrire comme une ombre orbitale dans le couloir. Il était de la taille d'une balle de baseball, à environ 30 cm du sol, et semblait presque se déplacer en lui-même, mais ce n'était rien d'autre qu'une ombre grise. Je n'ai fait que l'apercevoir. Mon chien l'a poursuivi jusqu'à ma chambre, puis une fois qu'il est entré dans ma chambre, je suppose que ça a disparu, car il s'est calmé et est revenu vers moi. C'est très étrange. J'ai déjà vu un magnifique orbe doré après le décès d'un de mes animaux de compagnie. J'ai fait cette expérience à l'âge de 16 ans, et jusqu'à ce jour, je n'ai toujours pas d'explication sur ce que c'était. Je jouais à la Xbox à l'époque, et j'avais la fenêtre de ma chambre ouverte parce qu'on était en plein mois d'août et qu'il faisait chaud. Il était environ 23h30 quand j'ai décidé de tout éteindre. Je me suis levée pour éteindre ma lumière et j'ai alors entendu les chuchotements d'une femme. J'ai rallumé la lumière et j'ai regardé autour de moi, mais je me suis dit que j'étais devenu fou. Quand j'ai rallumé la lumière, je me suis dirigé vers mon lit et j'étais sur le point de m'allonger quand j'ai de nouveau entendu les chuchotements, mais cette fois, je savais qu'ils venaient de l'extérieur. J'ai alors commencé à paniquer un peu parce que je ne savais pas ce qu'il y avait là. J'ai donc avancé doucement jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé dehors dans l'obscurité. Il n'y avait rien au départ, jusqu'à ce qu'une anomalie ressemblant à un brouillard orange, mesurant environ 60 cm de haut sur 80 cm de long, passe devant mon visage de gauche à droite et me fasse paniquer. J'ai couru voir mon père et lui en ai parlé, mais il ne m'a pas cru et m'a dit que j'étais simplement fatiguée. Je n'ai pas pu dormir dans cette pièce pendant quelques semaines. Je sais donc que ce n'était pas une personne et je sais que ce n'était pas un animal. Parce que je n'ai jamais vu un animal briller dans l'obscurité dans la banlieue de Chicago. Ce que je sais, c'est que cette chose était bizarre, et qu'à ce jour, je ne sais toujours pas ce que c'est.
Cela s'est passé entre 1986 et 1987. Mon père a acheté une ferme dans la province de l'État libre, en Afrique du Sud, que les habitants appelaient Gapamadi. En soto, une langue africaine, cela signifie l'endroit où le sang coule. La première semaine, tout s'est déroulé sans incident. J'avais environ 3 ans à l'époque, donc cette histoire est en partie ce dont je me souviens, et surtout ce qu'on m'a raconté. Vers la 3e nuit de la 2e semaine, on a frappé à la fenêtre de la chambre principale. Mon père a ouvert le rideau et n'a trouvé personne. Au moment où il se mettait au lit, on a de nouveau frappé, mais cette fois depuis la cuisine, à l'autre bout de la maison. Mon père s'est levé, mais n'a trouvé personne. Alors qu'il tournait le dos à la porte, l'enfer s'est déchaîné. Les coups recommencèrent, mais se succédèrent rapidement d'une fenêtre à l'autre, couvrant toute la maison. Alors que mon père nous rassemblait tous, des cailloux ont commencé à tomber sur le toit de la maison. Cela a continué ainsi pendant le reste de la nuit, jusqu'au premier chant d'oiseau, petit matin. Ensuite, tout est devenu silencieux. Apparemment, cela ne nous tourmentait pas seulement en tant que propriétaires de la ferme. Les ouvriers agricoles qui restaient le lendemain matin ne voulaient pas commencer à travailler par crainte du tokolotch. Ils le croyaient responsable du phénomène. La plupart d'entre eux sont même partis le jour même. À partir de là, les choses se sont lentement aggravées, comme pour tester la tolérance de mes parents. Ma mère m'a raconté que parfois, lorsque je jouais ou prenais mon bain, je l'appelais complètement terrifiée. Paniquée, elle courait vers moi, me demandant ce qui n'allait pas. Les larmes aux yeux, je lui disais que cette personne à côté de moi me faisait peur et qu'il fallait la faire partir. Mais ma mère avait beau regarder autour d'elle, elle ne voyait rien. D'autres esprits ont également commencé à apparaître autour de la maison et du jardin. Je pense qu'il s'agissait d'anciens propriétaires et habitants de notre ferme. Ils semblaient porter des vêtements du début des années 1900. Un homme, âgé d'une 60aine d'années, hantait la maison, fumant la pipe avec un jeune homme d'une 30aine d'années. L'odeur de la fumée envahissait parfois le salon. Les jours de grand soleil, on voyait une femme d'une 20aine d'années couper des roses dans le jardin. Une petite fille d'environ 5 ans courait autour d'elle, toutes deux coiffées d'un bonnet, comme c'était la coutume chez les premiers colons d'Afrique du Sud. Quelques nuits plus tard, ma famille a entendu les hennissements des chevaux dans le vieux kraal en pierre, un type d'enclos pour le bétail. Il y avait le bruit des sabots sur le sol, les voix assourdies d'hommes qui parlaient ou discutaient de quelque chose, et le bruit des lourdes portes en fer qui s'ouvraient, suivi d'une voix qui appelait « Wavotsmein » en Afrikaans, qui est étroitement lié au néerlandais. Cela se traduit à peu près par « en avant les hommes ». Les chevaux jaillissaient alors des portes ouvertes et tournaient autour de la maison, accompagnés par le bruit des fouets. Cela durait environ 30 minutes tous les soirs. Le plus effrayant, c'est que le kraal a été utilisé par les colons pendant la guerre de 1899. Un jour, ma mère a poussé un cri d'effroi. Nos chiens, qui étaient normalement en bonne santé, étaient couchés sur le dos, les yeux retournés dans leurs orbites, la gueule écumante. Mes parents ont d'abord pensé que les animaux avaient été empoisonnés. Mon père est allé chercher le pick-up, a mis les chiens à l'arrière et s'est précipité vers la ville pour les emmener chez un vétérinaire. Au moment où mon père a franchi le portail, à la limite de la ferme, les chiens se sont soudain levés et ont fait comme si de rien n'était. Cela s'est répété un nombre incalculable de fois, et les chiens restaient immobilisés pendant 15 minutes. Les choses ont rapidement empiré à partir de ce moment-là. Le bruit des pierres qui pleuvaient sur le toit en tôle ondulée s'est intensifié et l'entité a commencé à trouver des cibles humaines. Un soir, mon père et mon frère de 17 ans se trouvaient sur la terrasse lorsqu'une pierre a frappé mon frère au front. Ils ont tous deux décrit le bruit comme un sifflement aigu, comme si la pierre avait été lancée par une fronde.
Le lendemain, mon père a installé de puissants projecteurs autour de la maison et a coupé tous les beaux arbres fruitiers qui l'entouraient pour tenter d'attraper les coupables. En vain. Tout se passait comme d'habitude, sans qu'il y ait personne en vue. On aurait dit que les pierres lancées se matérialisaient à partir de rien. À ce stade, l'activité a commencé à se concentrer sur mon frère. Il vivait dans son propre appartement d'une chambre, à environ 10 mètres de la maison principale. Un soir, alors qu'il étudiait pour un examen de fin d'année, quelque chose d'invisible l'a attaqué par derrière. Mon frère était grand, fort et pratiquait la musculation à l'époque. Mais une lutte épique s'est engagée, la créature essayant de l'étrangler pendant 25 minutes. Lorsque mon frère s'est finalement dégagé de l'emprise de la créature, il était couvert de sang et semblait avoir été étranglé avec un fil de fer. Sa poitrine semblait avoir été tailladée par des griffes ou des lames de métal émoussées. Aujourd'hui âgé d'une quarantaine d'années, il emporte encore les cicatrices sur la poitrine. Mon frère n'a pas été la seule victime. Un jour, ma mère était allongée sur son lit, en train de lire un livre, lorsqu'elle est soudainement devenue paralysée. Peu après, un bulldog est apparu à la porte de la chambre. Ma mère a dit qu'elle avait eu l'impression de vivre une éternité, alors qu'elle s'imprégnait de tous les détails de l'entité. Il s'agissait également d'un chien boa ball, et il avait une tache blanche entre les yeux, alors que les nôtres avaient des masques noirs. Son visage était teinté d'un rose rougeâtre, comme s'il s'agissait de sang, et de la bave rouge coulait de sa bouche. Le chien s'est ensuite dirigé vers elle, sautant sur le lit, la plaquant au sol et la fixant dans les yeux. Après ce qui a dû lui sembler une éternité, le chien a sauté et a quitté la pièce. Cela s'est reproduit plusieurs fois, même la nuit, avec mon père à côté d'elle. Paralysée, ma mère ne pouvait pas alerter mon père. Chrétienne protestante convaincue, ma tante n'a pas cru au récit de ma mère et est venue nous rendre visite avec sa fille. Sa fille était assise dans la baignoire lorsqu'une pierre a volé à travers la fenêtre et a fendu la baignoire. Lorsque nous nous sommes réveillés le lendemain matin, ma tante et sa fille étaient parties. Elles avaient fait leurs bagages au milieu de la nuit et avaient parcouru près de 400 km pour rentrer chez elles. Je l'admire pour son courage car elle a dû sortir et parcourir les 20 mètres qui la séparaient de sa voiture. Elle a dit qu'il s'était passé quelque chose dans la chambre d'amis peu après qu'elle ait éteint les lumières, mais elle refuse encore aujourd'hui de nous dire ce qui s'est passé. Bien que l'activité commence généralement au crépuscule et se poursuit jusqu'à l'appel des premiers pluviers d'Afrique au petit matin, l'activité a commencé à se produire également pendant la journée. Il y avait des chuchotements autour de la maison et deux ombres sombres se déplaçaient. Ces mêmes ombres tournaient autour de la maison toutes les nuits. Nous pensions qu'elles étaient à l'origine de l'activité poltergeist. On dit en effet que les tokolotches travaillent généralement par paires. À ce stade, l'activité ne cessait que lorsque la police ou des personnes n'ayant pas de lien étroit avec la famille venaient en visite. Elles reprenaient immédiatement après leur départ. À peu près à la même époque, des incendies spontanés se sont déclarés autour des maisons des employés. Au début, c'était presque inoffensif. Mais un jour, certains employés sont venus frapper à la porte en criant que la maison de l'un des autres employés était en train de brûler et que des flammes s'échappaient des fenêtres. L'employé était en congé et la porte était fermée de l'extérieur par une solide serrure. Lorsqu'ils ont finalement ouvert la porte, les témoins ont constaté que seuls les bords des placards de la cuisine brûlaient. Une fois les flammes éteintes et la fumée dissipée, ils ont été choqués de constater qu'il n'y avait aucun dégât, hormis les fenêtres éclatées et les dégâts causés par la fumée. Mes parents étaient désespérés, car mon père avait investi toutes ses économies dans un dépôt pour la ferme. La vendre, à ce moment-là, les aurait ruinés. L'église ne semblait pas s'en préoccuper, et a même prétendu que mes parents avaient fait ça pour attirer l'attention. Mes parents étaient auparavant des personnes respectées en ville, car mon père était chef du service de la circulation et diacre à l'église. Soudain, les gens se sont mis à rire dans leur dos et la plupart des habitants de la ville ont abandonné ma famille à ce stade. Certains ont même accusé mon frère d'avoir tout mis en scène. Mon père en avait assez que rien ne marche et il a contacté un sorcier traditionnel africain de l'ancien Bofufatswana. Lorsque le sorcier est arrivé, il a demandé un verre d'eau, l'a regardé et a raconté à mon père des choses très personnelles, des choses que très peu de gens connaissaient.
En tout cas, personne en ville ne les connaissait. Le sorcier a commencé à effectuer un rituel de purification avant de retirer quelques boîtes remplies de choses telles que des rognures d'ongles, des cheveux, etc. Il a ensuite expliqué à mon père que l'ancien propriétaire avait jeté une malédiction sur la ferme parce qu'il était furieux d'avoir fait faillite et qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre y reste longtemps. La nuit suivant la purification, un orage s'est levé et au milieu du tonnerre, il y a eu les pleurs d'un bébé. Le vent a soufflé d'une clôture à l'autre de la ferme sur environ 1500 hectares et tout s'est arrêté aussi soudainement que ça avait commencé. En Afrique du Sud, nous avons une chose appelée Tokolotch. Il s'agit d'un petit personnage noir, maigre et sans visage qui s'attaque aux personnes vulnérables. Les gens du pays mettent leurs lits sur des boîtes de peinture pour les surélever afin que le Tokolotch ne puisse pas les atteindre pendant qu'ils dorment. Quoi qu'il en soit, je vis dans une ferme à gibier. J'ai entendu des chuchotements sous ma fenêtre à 20h. J'ai pensé que c'était le personnel au sol qui venait de mon côté pour utiliser le pick-up afin de se rendre à l'entrée principale pour récupérer d'autres membres du personnel qui étaient partis pour la journée. Les chuchotements se sont rapprochés de ma fenêtre, si près que mon chien a commencé à grogner contre la fenêtre. Je lui ai dit de la fermer, ce qu'il a fait, mais cela a recommencé. Cette fois juste devant ma fenêtre. J'ai une clôture électrique à environ 1,5 mètre de celle-ci, pour que rien ne puisse entrer. J'ai ouvert les volets pour leur dire de dégager, mais tout ce que j'ai vu, c'est cette silhouette noire et courte qui essayait de grimper à ma fenêtre, puis qui s'est retournée et a couru, et en l'espace de 3 pas, elle s'est déplacée d'une trentaine de mètres, et sa course était régulière. Le mouvement n'était pas du tout naturel. J'en ai parlé à un habitant le lendemain et il m'a dit que c'était le Tokolotch qui avait entendu parler de moi et qui voulait m'attraper, mais que la fenêtre était trop haute pour lui. À partir de ce moment-là, j'ai fermé mes fenêtres tous les soirs. Ensuite, une grenouille est apparue au hasard dans ma poubelle. C'était une grande poubelle et la grenouille était mouillée comme si elle avait été prise dans un arbre et jetée dans la poubelle. Il n'y avait pas de taches humides ailleurs dans ma maison. Donc, elle n'avait certainement pas sauté là. Le même homme m'a dit qu'un sorcier essayait de me faire fuir de cet endroit. Alors il a invoqué la grenouille et l'a laissée tomber dans ma maison et qu'il me surveillait probablement. Il paraît que ce même sorcier pouvait déraciner un arbre spécifique et le planter à l'envers, le long du riad pour que des personnes spécifiques le voient et lorsque vous le faisiez, votre vision se brouillait immédiatement. J'étais sceptique jusqu'à ce que je fasse l'expérience de tout ça. Aujourd'hui, je sais de tout cœur que ces choses sont réelles. Cet endroit en Afrique du Sud se trouve au cœur de la province de Limpopo, qui est connue pour le culte des ancêtres et pour les bizarreries des sorciers qui s'y produisent. Je vis en Afrique du Sud. Mon expérience s'est déroulée il y a environ 2 mois. Une amie de ma copine nous a demandé de garder sa maison et celle de son mari pendant 2 jours, alors qu'ils étaient absents pour un mariage, principalement pour nourrir leurs 2 chats, etc. Le fait est que leur maison a été le théâtre d'un meurtre très horrible quelques années auparavant. Un homme a été massacré avec un objet contondant dans le garage et sa femme a été tuée dans la chambre principale. Sachant tous deux ce qui s'était passé dans cette maison, nous étions déjà très effrayés. La première nuit, ma copine et moi, nous avons dormi sur le canapé-lit du salon. Maintenant, dans la position dans laquelle on était allongés, on pouvait voir une petite pièce qui mène à une salle de bain.
mais à l'entrée de la pièce, il y avait un bureau avec une chaise, etc. J'étais à moitié endormie lorsqu'au milieu de la nuit, j'ai remarqué que ma copine s'est soudainement levée sans dire un mot et qu'elle est allée se coucher sur le canapé d'en face. Juste après ça, j'ai commencé à entendre des bruits étranges de cliquetis dans un débarras dans lequel il fallait entrer par la cuisine. C'était une maison ouverte, donc le salon menait directement à la cuisine, etc. Je continuais à entendre ces bruits de cliquetis. J'ai immédiatement paniqué et je suis finalement allée dormir à côté de ma petite amie. Le lendemain matin, je lui ai raconté ce que j'avais entendu. Elle m'a dit que la raison pour laquelle elle s'était levée en sursaut était qu'elle avait vu quelqu'un assis dans ce fauteuil de bureau. Mais elle a immédiatement dit qu'elle l'avait peut-être imaginé. Ce soir-là, nous avons décidé de dormir dans la chambre d'amis. Il était hors de question que je dorme dans la pièce principale où la femme avait été tuée. Nous sommes finalement installés prêts à dormir. Vers 2h du matin, nous sommes tous deux réveillés à cause d'un chat qui miaulait. Mais cela ressemblait plus à un cri. Ce n'était pas un miaulement normal. Le chat miaulait constamment, mais chaque miaulement dura environ 10 secondes, comme s'il essayait d'attirer notre attention. J'ai immédiatement dit à ma copine de rester dans la chambre, et comme je me tenais devant la porte fermée de la chambre d'amis, je me suis dit que quelqu'un devait être dans la maison. J'ai ouvert la porte rapidement. Le salon était dégagé. En tournant à gauche dans le salon et en commençant à marcher vers la cuisine, j'ai vu le chat qui avait l'air très effrayé derrière une armoire, vers le débarras. Dès que je suis arrivée à côté du chat, j'ai entendu quelque chose bouger et cogner très fort dans le débarras. J'ai immédiatement crié à ma petite amie de préparer le téléphone portable pendant que j'attrapais un couteau qui se trouvait sur la table de la cuisine. J'ai marché lentement, effrayée, mais prête à affronter la personne qui s'y trouvait. J'ai pris une grande inspiration et je suis entrée rapidement dans la pièce, mais à ma grande surprise, il n'y avait rien. Les fenêtres étaient fermées. Il ne pouvait donc pas s'agir d'un animal sauvage ou quoi que ce soit d'autre. Le deuxième chat semblait détendu, alors que l'autre était crispé. Il ne pouvait s'agir d'un autre chat ou de quoi que ce soit d'autre. Notez que c'est dans cette même pièce que j'ai entendu les bruits de cliquetis la nuit précédente. Inutile de dire que j'étais heureux que ce soit notre dernière nuit là-bas. Cette histoire remonte à 2014-2015. J'avais 9 ans à l'époque et c'était mes premières expériences paranormales. Je viens d'Inde et pendant l'été 2014, j'étais en vacances chez mes grands-parents maternels. Tous les étés, leur fille, ma mère et ma sœur venaient leur rendre visite pour quelques semaines. La nuit, nous dormions tous sur la terrasse car l'alimentation électrique était en panne pendant l'été. Ce jour-là, nous étions donc tous sur la terrasse à jouer à des jeux de société. À 23h, nous avons fini de jouer et avons décidé de nous allonger pour dormir. Vers 23h30, le silence était total. On n'entendait que le bruit du vent et le battement des feuilles. C'est alors que tout le monde a entendu un cri. C'était un cri de femme, très fort et très long. Ceux qui dormaient se sont réveillés. Je me souviens d'avoir vu tous les voisins debout sur leur terrasse. Tout le monde regardait d'où venait le cri. Lorsque ça s'est arrêté, un cri très démoniaque s'est fait entendre. Tout le monde était debout, complètement effrayé. La voix démoniaque a continué pendant une minute et disait quelque chose dans une langue étrangère. Puis tout s'est arrêté. J'étais terrifiée et j'avais tellement peur que j'ai eu la chair de poule sur tout le corps.
D'une manière ou d'une autre, la nuit s'est écoulée. Je suis restée près de mon grand-père, car il avait toujours un épais bâton de bois avec lui lorsqu'il dormait. Le lendemain matin, je me sentais très mal à l'aise. C'était peut-être la peur, mais je me sentais vraiment mal. J'ai passé la journée à jouer et à faire mes devoirs, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Le soir, j'étais sur la terrasse avec ma tante, en train d'arroser les plantes, et j'ai commencé à lui poser des questions sur ce qui s'était passé la nuit précédente. Elle m'a dit « Tu vois la maison qui est exactement à droite de la maison qui est en face de nous ? Eh bien, les gens qui vivaient là avant avaient une histoire. Il y a de nombreuses années, une femme de cette maison était possédée. On l'entendait souvent pousser des grands cris, et parfois c'était des rugissements démoniaques. » Ses yeux devenaient rouge sang et elle se comportait de manière incontrôlable. Sa voix se transformait en une voix très grave et lourde et parfois elle agressait les gens. J'ai bien sûr pensé que cette femme était encore là, vu qu'il y avait eu ces cris étranges la nuit précédente. Mais ma tante m'a dit qu'il n'y avait plus personne et que depuis longtemps, sa famille l'avait emmenée dans un temple sacré pour se débarrasser de la présence paranormale. Le lendemain, mon oncle, le frère de mon père, m'a appelé pour me demander si je voulais aller au temple de Vaishno Devi. C'est un temple très sacré dans le nord de l'Inde. Je savais que cet endroit était très sacré et l'idée d'être proche du lieu où se trouve une déesse m'a fait accepter. Il est venu me chercher et nous avons commencé notre voyage. Lorsque nous sommes arrivés au temple, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était presque vide. Mon oncle m'a donc demandé de me mettre dans la file d'attente pendant qu'il déposait les sacs dans un vestiaire. Il était à environ 40 mètres de moi lorsque je suis entrée dans la file d'attente. À ce moment-là, j'ai senti que d'autres personnes étaient là. Je me suis soudain retrouvée à l'étroit. C'est difficile à croire, mais en l'espace de 2 minutes, la file d'attente pour le temple s'est transformée en 4 ou 5 files. Je ne me souviens toujours pas si c'était pour de vrai ou si c'était un tour de passe-passe. J'ai commencé à jeter un coup d'œil par les interstices pour chercher mon oncle. Il n'était nulle part. J'avais les yeux pleins de larmes, car j'étais complètement écrasée par l'agitation de la foule. Vous savez, quand vous pleurez tellement que votre mâchoire commence à vous faire mal. C'est exactement ce qui s'est passé, et personne autour de moi ne semblait écouter les pleurs d'un jeune enfant. C'est alors qu'entre en scène une personne que je considère honnêtement comme un ange, du moins pour moi. Un homme d'environ 35 ans est venu m'entourer de ses bras et m'a soulevé. Il avait le visage le plus digne de confiance de tous les temps. Je me souviens qu'il m'a dit « Ne t'inquiète pas petit, personne ne te fera de mal tant que je serai ici avec toi. » La ligne a commencé à avancer. J'avais l'impression qu'il me défendait contre toutes les poussées de la foule. Au moment où j'ai pénétré dans l'enceinte du temple, j'ai eu un sentiment de vide. Je n'entendais aucun bruit de foule, je n'entendais que la voix de cet homme. Je me sentais en paix. Je n'arrive toujours pas à oublier à quel point j'étais calme à ce moment-là. Je me suis inclinée devant la statue de la déesse. En sortant du temple, j'ai vu mon oncle près de la cabine d'annonce. J'ai couru vers lui et je l'ai serré dans mes bras. Il était lui aussi soulagé de me voir. Lorsque je me suis retournée pour voir l'homme qui m'avait aidé, il n'était plus là. C'est comme s'il s'était volatilisé. J'ai été surpris de voir que la foule avait également diminué. Puis nous avons décidé de rentrer chez nous. Après ça, je n'ai plus jamais ressenti le même mal-être que les 2 jours précédents. Ma copine et moi avons décidé de faire un petit voyage pendant nos vacances pour passer du bon temps ensemble. Nous ne savions pas encore où aller. Et alors que je discutais avec mes amis, l'un d'eux m'a suggéré de visiter Outi. C'est un endroit que je ne connaissais pas, car je n'avais jamais exploré la région sud de l'Inde. Il m'a conseillé de visiter cette ville et de profiter de la verdure qui s'y trouve. Je n'étais pas très intéressée par ce genre de choses, mais lorsque j'en ai parlé à ma copine, elle a accepté et m'a même convaincu de m'y rendre.
J'ai réservé notre vol pour Oti et nous avons donc atterri le lendemain de la décision à l'aéroport international de Coimbatore, qui était l'aéroport le plus proche d'Oti. Nous avons ensuite parcouru une certaine distance en taxi et sommes arrivés là-bas. C'était magnifique, plein de verdure et tout avait l'air si calme. Je ne savais pas grand-chose de l'endroit et j'ai oublié de réserver une chambre d'hôtel. J'ai cherché dans les environs et j'en ai trouvé une. Hôtel Fern Hill. Les intérieurs étaient décents et donnaient l'impression qu'il n'y avait presque personne. J'ai demandé pourquoi c'était aussi calme et on m'a répondu que c'était hors saison, que peu de touristes venaient à cette période. Et j'ai réalisé que nous étions dans le mois de décembre, donc manifestement hors saison. Nous avons pris une chambre, nous nous sommes reposés toute la journée, puis nous sommes partis explorer le lendemain. Nous avons visité de nombreux lacs, jardins, pépinières, puis nous avons visité de nombreux cafés locaux, des restaurants, etc. Après toutes ces excursions qui nous avaient complètement épuisés, nous sommes retournés à l'hôtel. Maintenant, une petite description de la chambre. Quand vous entrez dans la pièce, c'est comme une sorte de couloir ou hall d'entrée où il y a un canapé et une télé. Et quand vous ouvrez la porte à côté de la télé, il y a la chambre. En fait, pour accéder à la chambre, il faut ouvrir la porte principale, puis la porte de la chambre. Très fatigués, assez rapidement nous avons pris une douche, pris notre dîner et sommes allés dormir. Mais alors que nous dormions, soudain, je me suis rendu compte que quelqu'un frappait à la porte de notre chambre. Encore dans un demi-sommeil, je me suis levé et je me suis approché de la porte. Mais à ce moment-là, je me suis demandé comment quelqu'un pouvait frapper à la porte de la chambre et pas depuis le hall d'entrée, alors que nous avions fermé à clé la porte principale et que nous étions dans la chambre. J'étais un peu perdu. Ma copine dormait, je ne savais pas ce qui se passait et soudain, on a recommencé à frapper. Cette fois-ci, l'intensité des coups était bien plus forte, ce qui a réveillé ma copine. J'étais confus. J'ai appelé le personnel, mais le téléphone de la chambre ne fonctionnait pas. J'étais terrifiée et ma copine ne comprenait pas ce qui se passait. Puis brusquement, elle s'est levée, s'apprêtant à ouvrir la porte. Je me suis précipitée vers elle et je l'ai arrêtée, car ça pouvait être dangereux. Les coups ont continué jusqu'à 7h du matin. Lorsque nous sommes sortis de la chambre, nous avons vu nos affaires complètement éparpillées. Mon sac, certains documents importants, étaient tombés sur le sol. J'étais choquée. J'ai demandé aux personnes de l'hôtel ce qu'il en était. Ils n'en savaient rien. J'ai téléphoné à l'un de mes amis et lui ai raconté l'incident. Mais lorsque j'ai mentionné le nom de l'hôtel, il m'a dit d'une voix sérieuse « Quitte cet endroit tout de suite ». Je ne me suis pas posé de questions. J'ai réservé le prochain vol pour notre ville. Et j'ai quitté l'hôtel immédiatement. Après ça, mon ami m'a dit que c'était l'un des endroits les plus hantés d'Inde et que nous n'aurions pas dû réserver de chambre là-bas. Il s'agit d'une histoire vraie, racontée par l'un de mes proches. Vous connaissez ces histoires de gens qui restent bloqués au même endroit, qui tournent en rond. Ces événements se déroulent généralement dans une forêt, où il est facile de se perdre. On peut donc s'interroger sur la légitimité de ces histoires. N'importe qui peut se retrouver à tourner en rond dans une forêt, mais celle-ci est incontestablement légitime. Elle s'est déroulée dans une zone urbaine très peuplée, et deux personnes ont été témoins du même événement. Cette parente partait en vacances en Inde avec l'une de ses amies. En tant qu'adepte de la spiritualité, elle lui a suggéré d'aller assister à un enterrement dans l'eau, au bord d'une rivière. Toutes deux se sont donc rendues à une rivière où des gens pratiquaient des enterrements dans l'eau, tout près de l'hôtel où elle logeait. Elles ont regardé les gens procéder à ces enterrements.
et en regardant les corps manipulés, son amie a dit qu'elle avait des frissons en voyant les gens bouger, comme si ces corps étaient encore vivants. Finalement, elle décide de partir, mais se rend vite compte que quelque chose ne va pas. Alors que le ciel était ensoleillé, tout à coup, celui-ci s'est couvert et tout est devenu relativement sombre. Ma parente et son amie en ont été témoins. Elles ont essayé de rentrer à l'hôtel, mais elles se sont aperçues qu'il y avait un problème. Bien qu'elles continuaient à marcher dans une direction, celle-ci se retrouvait au même endroit qu'avant, c'est-à-dire au bord de la rivière. Elles étaient toutes les deux extrêmement confuses et effrayées à ce moment-là, car elles étaient littéralement en train de tourner en rond. L'hôtel était très proche, il n'y avait donc aucune raison pour qu'elles ne puissent pas retrouver leur chemin. Elles ont donc essayé de marcher encore et encore. Les deux femmes se sont également rendues compte que quelque chose de particulier se produisait dans leur environnement. Non seulement le temps avait radicalement changé, mais les grands panneaux de signalisation sur le bord de la route avaient disparu. De plus, il y avait beaucoup de gens qui se promenaient dans la région avant que tout cela ne se produise. Mais plus de la moitié des gens avaient disparu. Il y avait là des enfants qui jouaient au foot. On avait l'impression qu'elles avaient marché en rond pendant 3 heures. Puis peu après, le temps est redevenu normal. Et tout est redevenu normal. Les panneaux de signalisation étaient de nouveau visibles et les enfants qui jouaient au football avaient disparu. Toutes les deux, elles se sont regardées et n'ont rien dit. Elles ont juste couru vers l'hôtel aussi vite qu'elles le pouvaient. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. J'ai grandi à Goa, une ville très populaire en Inde, célèbre pour ses plages et son style de vie luxueux. Mon village natal est un petit village loin de Goa. Il y a encore la maison et le terrain de l'époque. Plus personne n'y vit aujourd'hui et elle reste donc fermée la plupart du temps. Nous ne nous rendons là-bas qu'à l'occasion d'un festival ou d'une fête de famille. Depuis mon enfance, chaque fois que je me rends dans cette maison, je ressens comme un mal-être. C'était il y a quelques années, j'avais environ 14 ans. Nous sommes allés dans notre village pour une fête familiale. Dès que je suis entrée dans la maison, je me suis sentie oppressée, comme s'il y avait une présence qui se déplaçait à l'intérieur. Le premier soir, j'ai dormi dans l'une des chambres à l'étage. Vers minuit passé, je me suis réveillée et j'ai commencé à entendre quelqu'un chuchoter autour de moi. J'ai continué à entendre ces voix toute la nuit et je n'arrivais pas à dormir. Je me sentais déjà mal à l'aise et en danger dans cette maison depuis le premier jour, mais je ne pouvais en parler à personne de peur qu'on ne me croie pas. Seulement, le lendemain, il s'est passé quelque chose que je n'ai jamais pu oublier jusqu'à aujourd'hui. Cette nuit-là, je dormais seule dans la chambre du haut, mais je n'arrivais pas à trouver le sommeil à cause de ma peur. Dans la porte de ma chambre, il y a 2 verres semi-transparents sur la moitié supérieure de sorte que l'on ne pouvait voir que la lumière extérieure et rien n'était visible. Il était très tard, peut-être 1 heure du matin. J'ai regardé la porte et j'ai vu l'ombre noire d'un homme qui se tenait dans la faible lumière extérieure. J'ai eu très peur et je me suis tournée de l'autre côté du lit, mais soudain, juste après, j'ai senti que quelqu'un m'étranglait très fort, comme s'il essayait de me tuer. Je pouvais littéralement sentir une main très forte autour de mon cou qui me pressait de toutes ses forces. J'étais complètement paniquée. J'ai essayé de crier, mais je n'y arrivais pas. Très effrayée, j'ai rassemblé toutes mes forces et ma foi, puis silencieusement, j'ai dit une prière de Hanuman Chalisa. Miraculeusement, l'emprise a commencé à se relâcher et j'ai pu enfin respirer à nouveau. J'ai allumé la lampe de chevet, mais il n'y avait personne dans la chambre. J'étais seule, mais la sensation d'une présence inquiétante persistait. Je ne pouvais pas rester un instant de plus dans cette chambre.
Je me suis empressée de descendre pour rejoindre ma famille qui dormait. Lorsque j'ai raconté ce qui m'était arrivé, leurs expressions sont passées du scepticisme à l'inquiétude. Eux aussi avaient senti quelque chose d'anormal pendant leur séjour dans la maison. Les souvenirs de cette nuit m'ont hanté pendant des années, et je n'ai pas pu m'empêcher de m'interroger sur l'entité qui a essayé de me faire du mal ce soir-là.